Alors, si vous allez voir, c'est assez facile. Il y a très peu d'ingrédients, puisqu'on va se contenter de la lauze, de l'oseille, échalote et un petit peu de beurre. Et après, si on a le temps, on fera une petite sauce à l'oseille pour accompagner tout ça. Voilà, et bien c'est parti, on attaque. Benoît commence par émincer l'échalote, équeuter l'oseille et la couper grossièrement. Pour un kilo d'alose, il est recommandé en moyenne d'utiliser 300 g d'oseille. Le tout est mis à revenir dans du beurre salé. Vous voyez, ça va très vite, c'est comme des épinards, hein. C'est pareil. Une ou deux minutes et c'est prêt. Et on va aller garnir le poisson avec ça. Un poisson qui est préalablement salé et poivré. L'oseille contient de l'acide oxalique. Donc là, toutes les arêtes en surface vont être cuites à la cuisson par l'acidité du produit. Et pour finir, Benoît enveloppe son poisson avec du lard pour conserver son moelleux et le parfumer encore davantage. Voilà. Et ensuite, on va donc le ficeler. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 160 degrés dans un four préchauffé. Donc on cisèle. Ultime étape, la préparation d'un beurre blanc à l'oseille pour accompagner le poisson. On va couper la cuisson, on va mettre notre beurre et on va monter au beurre. Hop. Donc beurre en petites parcelles. Voilà, c'est prêt. 45 minutes plus tard, la lauze est cuite. Il se coupe facilement puisqu'on avait retiré la grosse arête centrale. Impeccable. Les arêtes, effectivement, on les sent pratiquement plus. Non, c'est vraiment très bon. La lauze et son acidité ont donc joué leur rôle. Les arêtes ont, semble-t-il, fondu.